Question aussi générale qu'abrupte. Il faut commencer sans doute par penser un peu contre soi et par dire après Marx, observant que le capitalisme commençait à mettre à bas le vieux patriarcat, que le capitalisme aura, pour une part, été une force auxiliaire d'une certaine modernité, d'une certaine libération des individus, des cadres sociaux. Cela concerne aussi, et peut-être tout autant, l'émancipation féminine. Le capitalisme a besoin de bras, donc il préconise le travail des femmes et abonde pour le développement des crèches qui libèrent en partie les femmes de la charge maternelle qui les rend moins productives au boulot. On pourrait multiplier les exemples et ajouter que le fait que la publicité ait fait de la ménagère son cœur de cible a pu mettre les femmes au centre d'un certain jeu social et instituer une sorte de centralité du goût féminin. Moi qui n'aime pas les séries, je trouve que la première saison de Mad Men, avant de se liquéfier, montre admirablement ce phénomène. D'un coup, des mecs machos qui bossent dans les agences de pub sont obligés de s'intéresser d'un peu plus près à ce que ressentent les femmes. Et oui, les voix de l'émancipation sont sinueuses. On voit tout de suite deux axes de réserve à cette hypothèse d'une sorte de solidarité objective entre le capitalisme et la libération des femmes. D'une, en les ciblant comme ménagères, le capital corrobore et aggrave l'assignation des femmes à ce rôle. De deux, et c'est la réserve majeure, rien n'oblige à considérer l'intégration des femmes au monde du salariat comme un progrès absolu. L'autonomie financière des femmes est évidemment un immense bénéfice dont découlent bien d'autres lignes émancipatrices. Mais est-ce vraiment faire progresser les femmes que de les convier à la subordination salariale, aux horaires de merde et au bullshit job? Est-ce vraiment s'émanciper que de s'atteler avec l'homme au joug du salariat? Plus généralement, il semble que le capitalisme n'émancipe les femmes que dans le sens où il les libère des chaînes traditionnelles, épouse-maman, pour leur proposer celle d'autres chaînes, celle du travail imposé pour survivre. Surtout qu'il le fait en général sans supprimer les chaînes antérieures. Voici donc la majorité des femmes triplement aliénées, mères, ménagères, salariés ou intérimaires. Là-dessus, un féminisme conséquent devient une variante décisive de l'anticapitalisme. Il porte ses feux sur l'abolition de l'esclavage légal qu'on appelle le salariat ou les sous-conditions qui maintenant prolifèrent, working poor, travail partiel, voire à la tâche, et qui concernent au premier chef les femmes. Les femmes.